Le rap détourne le fidèle de la foi. Toutes les musiques sont une création du diable. Aoudoubillahi minash shaitanir rajim. Ces cinq blaireaux, soi-disant musiciens, veulent vous sortir du droit chemin. Ne vous laissez pas entraîner. Palier, maquillée comme ça, c'est un joli brin de femme. Et maman, t'es venue voir le spectacle ou m'espionner? Oui, ben, tu ferais mieux de chercher ailleurs, va. Avec son espèce de frère, tu vas finir par t'attirer des ennuis. Relâche-moi un peu, maman, hein. C'est pas le moment. L'arrangement, c'est le danseur Gamel, Malazan, Bernard, merci. A bientôt, merci. Dites-moi, cette grenouille là-bas, c'est la sœur de Majid ou je me trompe? Oudoubillahi minash shaitanir rajim. Quand il va apprendre ça. T'as vu ce que tu fais de l'habit du prophète? C'est pas Hare Krishna? Franchement, je t'ai mis dans mon 500. Ah, tu vois? Tu flippes déjà. T'as la trouille d'être un vrai musulman. C'est pas la trouille, Slimane. On est en France. Toi, t'es peinard, t'es le boss de la mosquée. T'as dit là-bas, c'est ton bloc de travail. Moi, avec ma tronche, laisse tomber. On va voir qu'on tourne un film. Rêve pas, Farid. Même sapé en bleu, blanc, rouge, t'auras jamais le look gaulois. Quand t'es rebeu, y'a que le chemin de l'islam pour t'en sortir. Tu vas quand même pas rejoindre le Mercier, sa bande de mécréants. Eh, hey, Slimane. Wallah, t'es pas sympa. J'y étais, moi, au concert. Qu'Allah te pardonne, mon frère. Mais moi, je te le dis, je suis pas un hypocrite. Pas comme tes deux amas religieux. On n'a pas dansé, Slimane. C'est histoire de mater, c'est tout. Ben bravo, les mecs. Continuez dans la dévauche et je pourrai plus assurer vos places au paradis. Sur la vie de ma mère, c'est une balle atomique, ce groupe. Tu vois, s'ils continuent comme ça, c'est le soleil, la roche et les cocotiers. Eh ben, moi, je préfère le chameau et les palmiers. La vraie plante pour un bon musulman, mon pote, c'est pas ici. C'est là-haut. Eh, quand une meuf te met les warnings, mais y va, Slimane. Tu vas pas attendre le paradis pour la sauter. Bon. Eh ben, moi, je me casse. Vous me dégoûtez, hein. Reviens, Slimane, prends pas les boules. Non, 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 non. Moi, je cause pas avec des mecs qui retournent leur djellaba pour un oui ou pour un non. Allahu alaikum. Mais c'est pas ni même ce mec, c'est un maton. Pas de meuf, pas de musique. Où il va, lui? Moi, ça va, la prison, j'ai déjà donné, hein. Je suis fier d'être mossé, mais faut pas pousser. De toute façon, il ne viendra plus dans sa mosquée. J'irai faire la prière chez moi. C'est kiff kiff. Bonjour Rachid. Bonjour Rachid. Salut Rachid. C'était super hier. Hé Fatima, laisse béton, hein. T'as autant de chance avec Rachid qu'avec Patrick Bruel. Je te signale qu'il y a deux ans, il me faisait du rentre dedans et que c'est moi qui n'ai pas voulu. Normal, il rentrait du bled. Il était en manque. Tu connais une meuf, toi, dans le quartier avec qui il a pas essayé? Maintenant, tu peux courir, c'est plus le même mec. T'as vu quand même cause? Te fatigue pas, elle est jalouse. Attends, attends. C'est quoi le plan que tu me fais, là, Rachida? Non, mais depuis quand un double XL se permet de me chambrer? J'en rêve ou quoi? T'as vu ta tronche, espèce de gros teint?
Comment, t'as roulé toute la nuit ou t'as explosé les radars? 400 bornes en 2 heures. Et encore, tu savais pas ma rhum? Mate-moi ce bâtard. Ça va? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il y a eu un concert hier soir. Et alors? Et alors? Pas un chat à la mosquée. Zubida! Zubida! ربي شدلك في وليدك الرشيد يسلمك يرحم والدك الزهرة اختي والله رحم مرولنا وجهنا بالفرحة سا سي غيان لو كان تسمعي الغنى الجديد قد رشي غير وحدك Je t'ai déjà dit, mais à chaque fois tu fais la même connerie. C'est sur le deuxième temps que tu rentres. Et au refrain, tu maintiens ton dos, sinon tu te fais avoir à la reprise. De quel dos tu parles? Je suis pas Mozart, moi. Tu sais pas ce que c'est qu'un dos? Dos. Bon, les mecs, je garde 3000 balles. Comme ça, si on a besoin de matos, on pourra jongler. On refait un concert dans un mois, le 22 décembre. Vous avez intérêt à assurer. Je commence à faire la promo cette semaine. On le fait ici? Avec 300 sacs, tu veux peut-être louer le Zénith? Putain. C'est la première fois de ma vie que je gagne de la thune honnête. Ouais, mais c'est pas bzef, hein. Ça fait 6 mois qu'on trime comme des chiens. Hé, hey, oh, détends-toi, mets-toi à l'aise, fais quelque chose. Si on commence à tourner, on va gagner chacun une plaque par mois. On a vraiment pas le même niveau de vie, Salem. Hein. Une barre. Mais je l'ai ramassé en 5 minutes avant et en plus, sans me casser le cul. Putain, arrête de nous faire chier avec ton blé. Casse-toi du groupe et retourne dire ton shit. Mets une dingue. Tu vois, c'est bon, vous allez pas vous battre, putain. Il a raison, Kamel. On a décidé d'être réglo. Tu fais tout pour nous décourager. Tu fais ta vie, je fais la mienne. Je suis majeur, ok? Non mais scroblé d'ici ou quoi? T'es en train de salir notre honneur! Berka ya oulidi sujik, berka! Écoute, si t'as envie de passer tes nuits à danser, casse-toi! Va habiter ailleurs! Ici on est des vrais musulmans! Ouais ouais, c'est ça, mais va raconter ça aux autres! Et ta tire à 15 plaques, c'est peut-être un cadeau du prophète! T'as de la chance qu'elle comprend rien, sinon c'est toi qu'elle foutra à la porte! Tout ça c'est ta faute! J'en ai marre! Alors ou tu l'enfermes à la maison, ou jamais je remets les pieds ici! Viens qu'il se casse. Moi, on aura la paix. Mais ça, mais t'insèche, Billy, où est-ce qu'il y a le dar? Merci. Non, je touche pas la main à des gens qui veulent salir ma famille et ma communauté. Ah bon? Attends, mais de quoi tu causes, là? Toi, tu fermes ta gueule ou je te mets une claque et tu vas pleurer chez ta rhum. Tu laisses ma mère tranquille, s'il te plaît, ça va? Alors arrêtez de nous casser les couilles. Allez faire vos putains de concerts ailleurs. Et faites tomber toutes les meufs que vous voulez. Pas ma sœur. Mais qui a touché à ta sœur? Le boss ici, c'est toi. Alors je te préviens, la prochaine fois que je vois ma sœur au concert, c'est toi qui vas morfler. Tu sais, merci, j'ai fait de l'atoll 2 fois déjà. Et ça me dérange pas d'y retourner. Il se prend pour Pablo Escobar ou quoi celui-là là, alors qu'il a fait de l'atoll pour 20 grammes de toshi. Beau cog. Ma parole, il faut être niqué de la tête pour vouloir se faire la frangine de Majid. Ça va comme ça, Salem. Le ramène pas. Arrête de flipper comme ça, Bernard. Majid, je le connais bien, moi. C'est comme au tac au tac. Quand tu grattes, t'as un zéro. On est pas sûr. Tu peux gagner au tirage. Putain. Même au bled, ils sont pas comme ça. Ouais, c'est pour ça que t'es venu chanter ici. Allez, on se casse. Bouge, y'a pas de place pour toi. Tu me laisses rentrer, je vous balance. Allez, casse-toi. Enfoiré, moi. Connard. Tiens, encore ça. J'en ai marre. Il faut qu'on débrouille une machine automatique qui fasse des étiquettes. Écoute-le, lui, ma parole. Il se prend pour Virgin Megastore. Tu peux parler, toi, comme ingénieur du son, t'es zéro. Pourquoi? Quand tu tousses, crache pas dans le micro, on entend que toi. Bon. Moi aussi, je suis KO, hein. À cause des conneries, on peut pas les faire à plus de 15 balles. T'es fou, toi? On est les seuls producteurs dans le coup. Et alors, on va pas vendre tes postillons au prix du laser? Khaled, on a combien de cassettes? Il y en a 20. Ça fait 300 balles. 10 sacs chacun. Ok, si on dit le tout. Passe les cassettes. Hey, super! Les ventes en bas, pas cher, je vais en prendre.
Allahu Akbar. Salut les gars! Dis donc, ça l'intéresse pas la mosquée, votre pote là? Babou, mais il est pas musulman. Et vous n'avez rien pigé! Je vous ai déjà expliqué que l'islam était ouvert à toutes les religions. Il suffit de se convertir, c'est tout! Deux, quatre, six, huit, dix, douze, quinze. C'est tout? Il y en a un max qui nous ont lâchés. Et ce con de Farid, il a été voir l'imam de Barbès. Tu sais ce qu'il leur a dit? Que l'islam, il a jamais interdit la musique. L'imam de Barbès. Mais qu'est-ce qu'il connaît à la religion, celui-là? Il est tellement briefé par les keufs qu'il confond la Mecque et la préfecture de police. À moi, ils vont pas me la faire. Une mosquée, c'est comme une PME. Si t'as pas la poigne, c'est le dépôt de bilan. Tiens, notre quartier 100% arabica. Vu ce calme, on se croirait en France. Avec 1 million de subventions pour leur mosquée, j'ai enfin la paix. D'avouer à tout de même que c'est plus efficace que tous ces discours pompeux sur l'intégration auxquels plus personne ne croit. Méfiez-vous quand même que cet argent ne serve pas à financer le terrorisme. C'est entre nous, ce qui se passe ailleurs, je m'en bats les couilles. Même la police ne pouvait plus rentrer dans ce quartier. Ces jeunes ne craignent plus qu'Allah et son prophète. Alors... Chez toi, c'est là. Il y a personne. Non, Malika, ça craint. Je veux pas d'histoire avec ton frère. Mais reste encore un peu. La prière n'a même pas commencé. Excuse-nous, cher. On est en panne d'ampoule, hein. Putain, c'est tout bénef de locataires comme vous. Non seulement vous payez pas le loyer, mais en plus vous vous éclairez sur notre dos. Faites gaffe, les diopes. Vous ferez mieux de venir à la mosquée. Tiens, le voilà. L'imam de Barbès. Dis-moi, quand tu vas arrêter de nous casser le boulot, ouais ? Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a que tu enseignes n'importe quoi dans ta mosquée pour nous faire de la concurrence. Où t'as lu que l'islam n'a jamais interdit la musique? Où? À moi! Au secours! T'inquiète pas, je les connais, on va régler le problème. Attends, c'est mon petit frère, là. Hé, hey, Omar, qu'est-ce que tu fous là encore? Je t'en pose-moi des questions. Casse-toi, rentre à la maison. Je sais pas comment tu parles à ta soeur. Mais quel petit con. T'as vu à quel âge ça commence? De temps en temps, il fait encore pipi au lit. Ah, plains-toi, hein. Moi, avec Majid, c'est l'enfer à la maison. Mais encore, je sais pas que t'es avec Bernard. Un séfran et manager du groupe, je te raconte pas la suite. Quoi, tu crois que c'est plus cool avec un rebeu? Ok, croque de Rachid, sors avec lui, tu verras les embrouilles que t'auras avec sa rhum. Quoi, elle va pas se marier avec? Non, mais tu verras que bientôt, elle va lui ramener une meuf du bled, tout juste sortie d'usine, garantie W. T'inquiète, elle aura pas le temps.
Écoute. Écoute. Oh, c'est génial. ناس اشتارا قعدوا في الغربة يارا والغربة صعيبة وغدارا قعدوا في الغربة يارا والغربة صعيبة وغدارا Donne-moi des violons ici, s'il te plaît. Sur toute la longueur ? Non, sur le deuxième refrain. Là-bas. Mais j'ai envoyé Babou chercher les pièces. Si t'es pressé, t'as qu'à aller chez Renaud. Tiens, j'attends qu'un but à culasse qui vient de passer. Merde, policier. Rabat, ça fait 6 mois que j'attends cette voiture. Attends. D'où il sort ce microbe ? Eh hey, mon gars, hors les sites, c'est par là. C'est bon, Rabat, laisse passer, c'est pour moi. Préviens Farid quand t'as de la visite. Ça va ? T'as fait bon voyage ? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatillah. Tu veux l'enveloppe ? Oui. C'est calme en ce moment, la râle. Ah bon ? Et pourtant, t'as fait de la pub vendredi dernier à la mosquée, non ? Enfin, ça va s'arranger, Inch'Allah. Inch'Allah. Slama. Slama. C'est pas BZF, hein. Tiens, on fait un tour chez le trafiquant de chèvres. Salam alaikum. Ahla si Slimane, ça va ? Ça va, alhamdoulilah. C'est de l'agneau ? Ah, garantie 100%. Un petit gigot, si Slimane ? Non. Il y en a marre de la barbaque. Tous les bouchers nous font le même plan. On n'a pas une caserne à nourrir. On a une mosquée à entretenir. T'as préparé ta petite enveloppe ? Là, il vous tombe très mal, c'est Slimane. Je te jure que j'ai reçu un huissier ce matin. Il me demande de payer dans les 24 heures, sinon il me saisit. Bon. On te donne jusqu'à jeudi. Sinon, vendredi, tout le monde saura que chez toi, les chèvres ont des couilles.
mafia islamique. Bernard! J'arrive. De quoi sont que Bernard? Aïe, adoré. Aïe, raoulé. Putain, je connais une qui va avoir des problèmes ce soir. Hein. Alors, comment va notre artiste? Ah, salut Slimane. Oh, ça va, alhamdoulilah. T'es sapé comme un dieu. Vous êtes sur un coup, là, ou quoi? Non, non, t'es fou, on va en te boire, là, histoire de changer un peu d'air. Bah, dis donc, ça paye, la musique, hein? Vas-y, laisse béton, Slimane. Je me suis ruiné, hein. Rien que le fut, la veste et les pompes, elle est là pour une demi-plaque. Une demi-plaque? C'est le prix de 50 gélabas, ça. Bon, Kamel, tu te grouilles. Tu vois, avec nous, t'aurais fait des économies. Vas-y, arrête, hein, tu vas pas me la faire. Tu sais très bien que le rap et le rail, c'est mon styli, et ça m'empêche pas d'être un bon musulman. Qu'Allah vous rappe les boyaux. Majid, j'ai la haine. Il faut les casser, ces mecs. Tu vas voir ton styli, toi. Bouge, va chercher un magnéto. Ah, Rachid, qu'est-ce que tu fous? T'as vu la concurrence? عنده الحق دوك حتى تشطع لها حبيت لغنا تحركم اسمع ولا جيبولي ميالي جيبولي ميالي جيبولي ميالي 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 داكم سالي جيبولي ميالي جيبولي ميالي جيبولي ميالي 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 داكم سالي سلام que c'est un chanteur de rail au bled. C'est qui? C'est le cousin de Farid. Il s'appelle Chep Krimo. Ah bon? Je croyais qu'il donnait plus de visa. Trois? C'est tout? Mais c'est la faillite. Non, non, mais faut pas chercher loin, hein. C'est le Mercier et son groupe de bâtards qui nous parasitent. Putain, c'est pire qu'une maladie. Tout le quartier est branché musique maintenant. Arrêtez de flipper, il y aura peut-être plus de monde à la prochaine séance. Mais tu te crois aussi lâche, toi? La prochaine séance s'appelle Fajr, et c'est demain matin, Yahmar. Puis, qu'est-ce que vous foutez là? Allez, allez, cassez-vous, allez faire vos ablutions. Attention, Slimane, hein. À moi, tu parles pas comme ça, hein. Je suis pas un bœuf, hein. Dis qu'un bras, il m'en prend pas un imam. Mais alors, je le connais, moi, c'est pas mon père. Après, ça prouve que t'as rien pigé à l'islam. Un imam, tu lui dois le respect, tête d'œuf. Bon, allez, ça suffit. Allez, viens, on se casse, vous. Restez. Non, 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 la prière est annulée. Bon, allez, tout le monde dehors, je ferme.
Ali. Slimane, à deuxième heure, la piscine. Aïssa, s'il te plaît, je suis pas d'humeur. Alors me fais pas chier. Solo, solo. T'es imam, on t'a frappé, t'as fermé, qui m'a raconté ta chimche. Là, t'exagères, là. C'est bien que tous les rebeux sont susceptibles. Mais qu'est-ce que tu veux assurer la subvention avec des caves pareilles? Pour que Dali te font une émeute, bah, laisse tomber. Puis de toute façon, j'en ai marre de me casser le cul pour 5 blaireaux. Ouais, mais si tu continues comme ça, on sera plus que 2. C'est pas ça le problème. Si le maire apprend que la nouvelle religion du quartier, c'est le rap et le rail, il nous ferme le robinet. Je te l'ai déjà dit, le sport, il n'y a que ça qui les fait bander. Encore un de ce matin, où je me lève comme un légume. Mon corps est lourd, ma tête pèse comme une enclume. Dans mes poches y'a pas une thune, mais j'assume le cœur plein d'amertume. Je m'en vais affronter le bitume. Les rues sont froides et tout le monde squatte mon hall. Y'a plus de saison où sont passés les rossignols. La flicaille s'affole, les familles en ont ras le bol. Les enfants ne vont même plus à l'école. Mat, ces vieilles têtes qui discutent de meufs et de bagnoles. Défoncés à la 8-6 après un match de football. Et les petits qui passent en BMW, moi Gaol est bien assis. Ouais, Timan, Salga, Maché, les grands frères, les pires vont faire la prière à la mosquée. Et les plus jeunes font tourner les cassettes de rap piratés. Rajoute les senteurs subtiles des cuisines variées. C'est tout ça à la fois qui fait le charme de mon quartier. Mais j'ai l'impression que la presse met la pression. Les banlieues sont frappées de malédiction. Nous sommes le résultat de cultures en fusion qui développent un sens vital de cohabitation. Et pour ce but, on devient des hommes d'affaires sans affaires. Y'a rien à faire. Soit tu travailles à ton compte, soit tu galères. Mais à force de rester dans l'ombre, accro de l'obscurité, on finit par devenir une ombre de la cité. Une ombre de la cité. À ton fourgué ? Ouais, ouais. Une ombre de la cité. Une ombre de la cité. Putain, t'es un enculé, toi. On fait tous de t'avais juré sur la vie de ta mère que tu dis les plus. Il me restait un petit bout, j'allais pas le jeter. Vous êtes ma mère à craquer tout de suite si c'est pas vrai. Tu me dégoûtes. Allez, casse-toi. Tu les as, mais c'est pas compliqué. Le reste du temps, c'est la routine. Bonjour Slimane. Bonjour Sylvain. Bonjour. Je vous présente Majid, mon assistant. Bonjour Majid. Bonjour. Tenez, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, comment va le quartier Voltaire? Bien. Oh, je suis passé il y a 3 jours, j'ai été agréablement surpris. La délinquance a nettement diminué. Plus de bagarres. On aurait presque envie d'y habiter. Ah, bravo Slimane. Ça, monsieur le maire, on les tient en main. Et puis alors, on a même une idée encore plus géniale pour les occuper. Oui, parce que... Majid, il est ceinture jaune de karaté. Bravo, Majid. Alors, on a décidé de leur donner des cours d'arts martiaux en dehors des heures de prière. Excellente idée. Plus ils seront occupés, moins ils feront de bêtises. Continuez comme ça jusqu'aux élections, je vous promets la construction d'une merveilleuse mosquée à 2 minarets. Bon, alors, en ce qui concerne le deuxième versement de la subvention, tu seras viré dans 2 ou 3 mois. Ah non, peut-être un peu plus. Hein? Ben, disons dans 4 mois. Oh, c'est long, hein? Non, c'est parce que nous, on voulait attaquer tout de suite, quoi. Ah, oh, bah c'est ça, l'administration, mon cher. Hein? Bon, en attendant, débrouillez-vous avec les moyens du bord. Merci, monsieur le maire. Oui, oui. Au revoir, Majid. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir, Slimane. Au revoir. Et bravo, hein. Bravo. Je suis genre en ma peau, hein. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, le prix de la tranquillité. Quel imbécile! Ils sont encore trompés de pièce! C'est une pétasse, moi ça! C'est grave! Salut Rachid! Salut! Qu'est-ce qui se passe? C'est mon frère qui a rameuté tout ce monde. Je sais pas ce que tu lui as fait. Il jure plus que par toi. Eh oui, c'est ça le succès.
tu te fais attendre. Mais pour toi, je suis libre quand tu veux. Bon, je crois qu'on verra ça plus tard. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Regarde, chef, un homme qui tombe sur toi, il faut que tu te bats. Hé, c'est ton fils que tu traites de merde. Toi, ferme ta gueule, hein. Nous, on va te faire plus de temps. Hé, Rachid! Qu'est-ce que tu fous? Tout le monde t'attend. Et toi, bouge, tu vas pas que tu gênes. Salut à tous. Poussez-vous, poussez-vous. On ne sait pas l'orthographe aujourd'hui. T'as vu tout ce monde qu'il y a dehors? Et mon vieux, c'est le téléphone arabe. On est sur la bonne voie, il y a même des journalistes qui m'ont appelé. Téléphone arabe? Où tu vas, toi? C'est un vrai boulot d'attaché de presse qu'on a fait là. Et qu'est-ce que tu fous là, toi, d'abord? Non, non, non. Donne-lui des affiches et va les coller avec ses potes. Allez, bouge. Oh, salam. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as les trous du lit qui affichent complet? Tu sais bien que je ne touche plus. Tout ce succès, tu te rends compte? Pour moi, Salem, enfant de la DAS. Tu vas la fermer, ta grande gueule? Je vois pas que tu nous fais l'air chouma. Putain, mais heureusement qu'ils sont pas 15 000 dehors, là. Sinon, tu serais dans le coma. Tiens. T'as ce qu'il faut pour coller? T'inquiète, je vais tout acheter chez Carrefour. Tu me rembourseras. Imagine, j'en peux plus de cette musique. Je les supporte plus. Je vais craquer. Attends, moi qu'on installe la salle de sport, ça va marcher, tu verras. Non, 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 non. On ferme la mosquée quelques jours, tu récupères tes deux flèches, tu fais comme tu veux, mais tu me casses ce groupe. Bon. Vas-y, mangue-toi, si la merde, dépêche-toi. Kleb, dégénéré, qu'Allah vous brûle en enfer. T'es fou quoi, tu sais pas qui c'est, Oya? C'est Chef Crémon, c'est le roi du rail au bled. Alors maintenant, s'il te plaît, t'es gentil, tu nous laisses rentrer. Oh là, oui, cool, Michael Jackson, mais trop le complet, c'est complet. T'as la chouette, hein? Non, mais là, c'est même pas la peine d'insister, complet, c'est complet. Hakat, n'est pas ce que je t'ai arrêté qui fait, hein? Vas-y, vas-y. Allez, monsieur, comme tout le monde en discothèque, t'es à comme. Bah, tu es les vilains, le chétan, là. Vas-y, viens, on parle, regarde, c'est tous des courriers.
Attends, Rachid, la cote que t'as avec la nana. T'as la chouma qui nous fait celui-là. Sur la vie de ma mère, c'est dans la poche. Allez, vas-y, fonce. Arrête de nous faire chier. Hé, hey, Sila, regarde les nichons. Sur ma vie, c'est de la provoque. Franchement, t'es pas sortable. Wallah, serait moi, tu serais resté au quartier. Je t'ai pas attendu pour sortir, hein. Putain, que ça va être avec les journalistes? Bah non, on répondra aux questions. Mais lui, on le planquera. Dansez, mademoiselle. Tu danses? Non, merci. Et toi? Non, merci. Et toi? Non, merci. Et alors, pourquoi vous êtes là? Rentrez chez vous, merde. Je suis pourtant beau gosse. Bon. Toutes des salopes. Hey, tu vois pas qu'il y a tous les démas? Je t'aime. Putain, Salem, c'est pas de la limonade. Allez vous faire foutre. Là, je me tire. Bon, allez, les mecs, on se casse avant qu'ils nous resservent le couscous de la semaine dernière. Je vais payer, j'arrive. Vas-y, où tu vas, toi? Lâche l'affaire, là. Oh, Kamel, ta meuf, tu l'aimeras demain. Oh là, t'es pas sympa. Toi, t'es un relou, toi. Encore quelqu'un de bourré qui a oublié ça aux toilettes. Merci. Il n'y a pas de quoi. Putain. C'est lui qui boit. Et c'est toi qui délire. Le larfa, il est à toi. Tu l'as trouvé. Et en plus, tu le files à cette pétasse, là. Mais jamais elle va le rendre. Vas-y, laisse tomber, vous êtes des baltringues. Hé, hey, qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, je souffre. Mais on a décidé d'être réglo, non? Quoi, réglo? Lui? Mon cul, ouais. Toi, la ramène pas parce que je suis vénère. Sinon, je t'explose la tronche. La meuf, elle était tellement dégoûtée de sa gueule qu'elle voulait même pas me filer son téléphone. Elle aime pas les négros, ces salopes. Tu délires? Je suis encore plus sirage que toi, je m'en suis branché une. Oh là, il caille. Toi, t'es black, d'accord. Mais moi, je suis black
et rebeu. Je suis content de rentrer chez Juan. 200% l'apartheid. Négatif. Hein? Et les mecs, on était garés là ou je me plante? Putain. Qu'est-ce qui se passe là? Bonsoir messieurs. C'est votre véhicule? Je sais pas, moi c'est une R5 blanche. Vous avez les papiers? Eh hey, les mecs, vous avez appelé SOS dépannage? Vas-y, tais-toi, mange ta langue là. Merde, c'est un keuf. Ta gueule, putain. Madame Yvette Lemercier, c'est votre mère? Présentez-vous au commissariat à l'angle de la rue, à droite. Putain, qu'est-ce que je vais raconter à ma mère? Sans déconner, ça m'a fait tout drôle de rentrer dans un commissariat comme ça. Les mains libres. Ma parole, j'avais les larmes aux yeux. Le keuf en civil a dit que c'était un pyromane qui a fait ça. C'est quoi? Ben c'est un calouche comme toi. Où tu vas, toi? Un pyromane, c'est pas un blackos. C'est un malade du feu. Ah bon? Mais je crois qu'ils se plaintent, les flics. Ces arbistes d'histoire. T'as raison, mais sur la tête de ma mère. Des voitures, il y en a partout. Il a fallu qu'ils crament la nôtre. Putain, qu'est-ce que je vais raconter à ma mère? Mais t'inquiète pas, Bernard. Avec la thune du concert, on lui en achètera une autre. Oh, où tu vas, toi? Avec la misère qu'on touche, on pourra à peine lui payer un vélo. Mais va falloir se bouger et augmenter le prix des places. Vous êtes vraiment sympas, les mecs. Mais d'ici là, quand elle bosse de nuit à l'hosto, comment elle va faire pour bouger? Sila! Non. Naya. Bon. Puisque tu vas dormir toute la journée comme un lézard, tu vas prêter ta carte de séjour à Abdou. Il en a besoin plus que toi. Yam, hein? Mais s'il se fait pécho par les keufs, on n'a pas la même tronche, il a 20 ans plus que moi. Mais tu sais bien que les blancs nous voient tous pareils. Toi, tu te sers de la carte jusqu'à midi. Parce qu'à Morong, elle est là. Lui, il en a besoin l'après-midi. Tenez, il faut trouver une solution. Ça fait 5 ans que vous tournez à 3 sur une seule carte. Vous êtes grave. Hé, hey, moi j'ai la mienne. C'est eux qui sont en situation irrégulière. Situation irrégulière. Ça va. On a goûté les papiers rebeux, ça y est. D'où est les keufs? Alors laisse-le prendre les papiers, c'est franc. Mais les femmes moquent. On a voulu dire un peu plus de ma. Ou ma et courage. Même les mecs du plein, mais il y a ce qui m'attire. Mais je me dis quand même, j'ai un visa. Je m'en fous. Mais quand même, je suis là, je m'en fais voir ça. C'est pas pour ça que la France a le halouf, hein? Ça recommence! Tu mélanges tout! Voyez ça, voyez Hambaba, qui? Vas-y, garde tes rasses, Moura. Vous êtes le mec qui me fait un de dame. Mon cœur qui dit qu'il n'a pas passe. À ton fils, tu lui dis jamais rien, parce que c'est ta mère, j'en ai marre de cette parade! Bonjour monsieur. Bonjour. Je cherche le domicile de monsieur Diop. Diop? Et qu'est-ce que vous voulez? Je suis agent des allocations familiales. Ah. Allocation familiale? Celle-là. Allocation familiale, Stop! Allocation familiale, mon gros, qui est là? L'argent vous sourit! Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Monsieur Diop, s'il vous plaît. C'est moi, monsieur. C'est moi, monsieur. C'est moi, monsieur. C'est moi. Iboye, espèce de connard que vous êtes. Vous devez éliminer toute ma merde.
Tu es un vrai crocodile, toi, Abdou. Ni. Tu es affreux de ça. Vous avez déjà des maisons à Bamako et pas moi. Et tu oublies que moi, j'ai 6 enfants et 2 femmes. Chez moi, ça. Nekodi, Amoura, ça va devenir un fait. À quoi tu Mais comment tu es fait? Je vous assure. Si ce monsieur lui donne de l'argent, on se la partage équitablement. Dis donc là, vous oubliez que vous êtes en situation irrégulière là? Calmez-vous. J'ai besoin que d'un seul, Diop. Celui qui doit 3 ans de loyer de retard. Alors là, c'est Suleymane, hein? Quoi? C'est là. Viens, il y a un problème ici avec un blanc. Je te l'avais bien dit qu'il n'avait pas une tronche à filer de la thune. Elle est rentrée. Ouais, Suleymane, c'est mon père. Il s'est barré depuis 2 ans, Bled, et eux, c'est mes cousins. C'est donc à vous de régler tout ça? 1, 2, 3, 4. Putain, tous les zéros. Eh, mais ça va pas, là. Où je vais trouver tout ce blé? En plus, il y a personne qui paye son loyer dans ce quartier. Ça, c'est pas mon problème. Vous avez 2 jours pour vous manifester. Au revoir, monsieur. C'est Lucier. Et bravo, les mecs. On s'absente 5 minutes, et le quartier ne viendrait pas soir. C'est la faute à Sambou Dava. Il nous a trompés avec sa tête de tout-bob gentil. Allez-vous. Alors, ça a marché? Bravo les mecs, merci pour le plan. J'ai failli me faire lâcher, on m'a dépouillé ma caisse. Je parie que c'est un coup de babou, ça. C'est un détail, ça. Tiens. Quoi, 200 balles, c'est tout? Ça me paye même pas une roue? Ah, ça, pour le sinistre, t'as qu'à t'adresser à ton assurance. Kaim Rabi, Kaim Rabi. Allez, viens, on y va. Bon, mais t'as vu ça? Même le Gaulois se met au rail maintenant? Je te préviens, si on rate notre coup, on n'a plus qu'à se convertir en discothèque. Machin. Oh non, prenez tout, mais pas ça, s'il vous plaît. Mais débarrasse-toi de ça, Sylla. C'est ça, la cause de tous tes malheurs. Tenez, maître, voilà une petite avance. Et accordez-leur un délai de quelques jours à ces braves gens. Et pour le reste, ne vous inquiétez pas, la mosquée se porte garant. Commissaire, vous vous rappelez de moi? Oui, oui, bien sûr. Vous êtes toujours là quand il faut porter secours. Ah, qu'est-ce que vous voulez? C'est notre devoir de musulman de faire du social. On ne peut pas laisser une pauvre famille se faire ruiner sans réagir. Tenez, voilà votre reçu. Et 8 jours de délai, pas plus. Où est-ce que tu as de la hamar, Aïda? Raccompagne-les, on ne sait jamais. Et alors, Sylla? Ils sont où tes potes, Rachid, Bernard, Kamel? C'est pas sympa de te laisser tout seul dans cette galère. Mais qu'est-ce que t'attends pour les lâcher venir à la mosquée? T'as tout à gagner! Je peux même faire une intervention pour leurs papiers. Mais le nom Diop est tricard à la mairie, à cause de vos concerts qui font désordre dans le quartier. Tu as réfléchi, Sylla. C'est la musique ou la mosquée? C'est clair et net. D'accord, chef.
Bon, ça va, vous pouvez y aller. C'est pas très musulman ce que tu fais là, Slimane. Allez, je vais vous acharner sur ce groupe. Eh ben, t'as tout pigé, Rabat. Notre mission, c'est de ramener toutes les brebis égarées dans le chemin de Dieu. Arrête de dire des conneries, Slimane. Dans toutes les mosquées sont courantes, vos magouilles. L'islam, elle a jamais interdit la musique, alors arrête. Même que le prophète, il adorait ça. Te mêle pas, Farida. T'es vraiment une orchestre. Arrête, arrête, arrête. Vas-y, lâche-toi, arrête. Lâche-toi. Maître Hachmouche, ça vous suffit pas ce qui arrive déjà au bled. Et vous voulez remettre ça ici. Allez, dégagez. Alors, je vais vous faire un peu de temps. Maître Hachmouche, Rabbi Oukilko. L'autre, moi je dors. Moi je dors. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله Qui est là? C'est moi, Malika. T'es complètement taré, pas ici. Tu te rends pas compte, hein? Mais ouvre! Mais arrête de faire dans ta culotte, y'a personne chez moi! Je sais que t'es tout seul. Tu m'as dit que ta mère était de garde cette semaine. Malika, si ton frère et sa malade barbu nous voient, c'est plus Bernard Lemercier, c'est Salman Rushdie. Mais arrête ta parano. Majid, je le connais. Sa vraie religion, c'est la thune. S'ils peuvent pas vous plaire, c'est parce que vous leur faites de l'ombre. Tu crois que c'est eux qui ont brûlé la bagnole de ma mère? Ça, je sais pas. À moi, il me dit rien. Mais t'inquiète pas. Dans le quartier, tout c'est un jour ou l'autre. Mais c'est quand même bizarre. Hein. Parmi toutes les voitures, c'est la note qui a été visée. Après, c'est Scylla. J'en ai marre de toutes ces galères. Si on pouvait se tirer. Regarde devant. Police, personne ne bouge. Bonjour madame, c'est la police. Vous êtes bien la mère de Rabat Kerbouche? Oui monsieur. Où est-ce que vous êtes? Attrafé chez le Hajja. Il est chez nous au commissariat, on est venu chercher ses papiers. Ça. Ça commence à craindre le quartier. Rabat et Babou, c'est pas des mecs à se faire serrer comme ça. Je suis sûr qu'il y a un coup de lance-bas. Voilà, monsieur. Merci, madame. Suisse, français, algérien, belge. Mais il est international, votre fils. Oui, monsieur. Avec tout ça, on pourra lui faire un visa long séjour pour Fleury. Oui, monsieur. Merci, madame. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Oh putain, on n'est pas dans la merde s'il faut la pousser. Hein. J'arrive pas à la faire démarrer. On a pas fait vrai, c'est vraiment pas le moment de rester ici. Arrête de pomper comme un malade. Tu vois pas qu'elle est noyée ta caisse? Attends un peu. Toi, ta gueule. Oh putain, ne leur parle pas comme ça, tu vas les rendre nerveux. Et va surtout, mais quoi, ne voulait nous mener avec ce matériel pourri. Moi, je te le démarre sans clé, Tatia. Ouais, mais lâchez le groupe pour de la thune. Pour moi, Silas, c'est un enculé, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas lui l'enculé. Il a raison, Rabat, je suis sûr que c'est Slimane qui a fait le coup de huissier. Attends, t'as une preuve? Pourquoi? Y'a que les diables qui devraient casquer le loyer. Tu trouves pas ça zarbi? Moi, depuis que je suis né, j'ai jamais vu mes vieux payer. Mais ouais, même que ma rome, elle dit que la mairie, ils ont la honte de réclamer de l'oseille pour les trous à rats qu'on habite. Oh, mais arrêtez de vous prendre la tête comme ça. De toute façon, ils ont gagné. Y'a plus de groupe. Plus rien, la musique, c'est pas fait pour nous, mon frère. Putain, c'est de la bombe. Qu'est-ce que tu crois, mec? C'est de la première catégorie. Ça vient direct d'Afghanistan. C'est où, ça? À côté de la Tunisie. Ma parole d'honneur, Farid. Si t'écoutais les derniers titres qu'on a fait. Tu flipperais ta race, mec.
C'est de la bombe atomique. T'imagines, mec, les major compagnies à se battre à coups de dollars pour nous avoir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est comme dans un film ricain. Juste tu mates l'affiche, t'es déjà dans le film. Moi, Kamel Bahmush. Sans déconner, non, attendez, sans déconner, les mecs. Moi, Kamel, je sors de chez Barclay avec mes Ray-Ban anti-mat, la ganache tannée par le soleil, entouré de mes bodyguards. Le plus petit fait 2m2, avec le calibre en bandoulière et la balle engagée. Coup de latte qui l'en met dans la gueule au petit label fauché qui essaierait de m'approcher. Tranquille, le chat. Avec ma tête de gasoil, je traverse la rue. Avec plein de meufs en délire à mes basques. La plus vilaine ressemble à Sharon Stone. Je veux pas jouer le mec genre blasé, quoi, style Zamel. J'évite les embrouilles, je trace la route. Je vais vers ma BM 850. Injection anthracite. 12 soupapes, cabriolet de place, à peine raciste. Orient Market vous propose une superbe promotion sur les shorba et harira instantanées. 10 paquets de shorba ou de harira au prix de 8. N'hésitez plus, fini les impatients. En 5 minutes, shorba ou votre harira sont prêts. Petit, tu veux jouer avec moi? Oui, qu'est-ce que tu veux? Je vais t'attendre là-bas. Tu vas me faire une livraison, d'accord? D'accord. C'est vrai qu'on n'est pas des animaux. Alors je l'ai rattrapé, je lui ai filé 10 queues et j'ai dit vas-y mon pote, garde tout, c'est bon. Et ce con là, tu vois pas ce qu'il me dit? 10 queues, c'est trop. J'étais dégoûté. Sur la tête de mer, j'étais prêt à lui filer plus s'il avait pleuré un peu. J'ai pas bon cœur, les mecs. Hé, les mecs, me laissez pas tout seul. Farid, Momo. Bouhaliyebou. Non, vous direz qu'elle passe pas ma mauvaise visite. انا تقول بيت مع قرنيت خليه باقلو عاود ولا كيما كان ولا يدير رايي صافا باسا يفك يعاود الموسيقى تاعو توت سويت ها Ben Benoît. Mais tu trouves ça drôle, toi? Excusez-moi, patron. Arrache-moi ça, vite! Ils installent leur salle de sport. Mais comment ils ont fait sans la subvention? Ces cales-là est avec eux. Bon, eh ben c'est gagné. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à améliorer le slogan de l'affiche. Hein. Avec Charles Benoît, le calme et la sécurité retrouvée. Ça, c'est bien, ça. Alors, Sira, comment tu te sens dans le parti de Dieu? Bien, cher. T'inquiète pas. L'histoire de ton loyer, c'est bientôt réglé. On n'est pas le Mercier, nous. Entre mousselets, il n'y a pas de lézard. Slimane, il y a des nouveaux, ils veulent s'inscrire. Ah, ça, c'est bien. Et si vous êtes sérieux, il y aura peut-être un voyage dans un pays frais. Hey, non, Slimane, c'est pas prévu dans le contrat. Idemé, d'un calamé. Dites donc, tu te crois chez Renault, toi? Maintenant que tu fais partie de la famille, tu dois t'impliquer plus. T'as vu comment il me parle, ce bâtard? Qu'est-ce que c'est, cette histoire de voyage? Frère Ahad Salem Talibani? Lui-même. Tu crois qu'ils ont de la thune? T'es fou. Et en dollars en plus. C'est l'argent des ricains. C'est qu'on devient important. Hein?
jazz aussi là. Et Jeff Crimo, il chante bien. En plus, il est balèze, vous sentez. Tu crois qu'il va replonger? T'inquiète pas, celui-là on le tient. Le charrier, les gars. C'était ça ou l'expulsion? Tu veux reprendre ta place? Non, c'est bon, vas-y, joue. Sur Arlette Laguiller. Alhamdoulilah, c'est une communiste. C'est rentré gratos. Wesh. Smahli khoya bsakou sima, ça va pas.
لازم لايا في البلاد مالك. واه بصح هذا قال تاع كارتي مش اختانا اخويا. صح صح. Alors, Blacos, t'as rien oublié? Mais arrête, Majid. Slimane m'a dit que l'argent du loyer, c'est un cadeau d'Allah. Ouais, ben maintenant que t'es redevenu civil, faut que tu rembourses. Mais c'est déjà fait, Majid. On a été 14 fois à la mosquée. On est quitte, hein? Ben ouais. Vous nous prenez pour des billes, idiote? T'inquiète, Majid. Je te rendrai ta thune après le concert. Et avec des intérêts, si tu veux. On n'est pas le crédit donné. Alors écoute-moi bien. Je te donne 48 heures, sinon je te tranche. D'accord. Ce sera fait. Parole. Là, ce sera fait, je te jure. حمري حمري يا لو كان تروح لنصهم يا ناكلكم الحال بتاعكم أنت أنتم تقلكم أه يا ربي يجي باترو لي مكرامات هيك خلق بها روحك ونتهناو منك رحت يا خسارة هشرب منك ناس شطارة وهران رحت يا خسارة هشرب منك ناس شطارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة غدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة غدارة Dans le péché, lui, maintenant. Ouais, c'est son nouveau job. Eh ben, il peut mettre une croix sur la mosquée. Ben, il va se laver. Même s'il se trempait dans l'eau de Javel, ça suffirait pas. C'est
Malika. Ante Fatima. C'est Fatima. On va aller faire un tour au concert. Ouais, super, Majid. Je peux aller enfiler un jean, Majid? Ferme l'air, applique. On peut savoir ce qui se passe, Majid? Ah bon, oui, mais... allez-y, je vous rejoins. Hein. Non, viens avec nous. Allez. Ce matin où je me lève comme un légume, mon corps est lourd, ma tête pèse comme une enclume. Dans mes poches y'a pas une thune, mais j'assume, le cœur plein d'amertume. Je m'en vais affronter le bitume. Les rues sont froides et tout le monde squatte mon hall. Y'a plus de saison où sont passés les rossignols. La flicaille s'affole, les familles en ont ras le bol. Les enfants ne vont même plus à l'école mat. Ces vieilles têtes qui discutent de meufs et de bagnoles, défoncées à la 8-6 après un match de football. Et les petits qui passent en BMW, moi KO, les bien assis, que ouais, t'es man, ça a qu'à manger. Les grands frères, les pères vont faire la
prière à la mosquée. Et les plus jeunes font tourner les cassettes de rap piratés. Rajoute les senteurs subtiles des cuisines variées. C'est tout ça à la fois qui fait le charme de mon quartier. Mais j'ai l'impression que la presse met la pression. Les banlieues sont frappées de malédiction. Nous sommes le résultat de cultures en fusion qui développent un sens vital de cohabitation. Et pour survivre, on devient des hommes d'affaires sans affaires. Y'a rien à faire. Soit tu travailles à ton compte, soit tu galères. Mais à force de rester dans l'ombre, accro de l'obscurité, on finit par devenir une ombre de la cité. 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 On fait tous de l'action. La seule distraction dans la journée, c'est quand Manu se fait courser par les îlotiers du quartier. La technique est simple, tu rentres dans un escalier, tu ressors de l'autre côté, tu les as, mais c'est pas compliqué. Le reste du temps, c'est la routine qui nous guette. Mes potes se la pètent et mes parents me prennent la tête. 2 à 3 fois par semaine, ils me tapent une scène du genre. Va travailler, y'a Hedley Gens, la hyène. Je survis dans la rue, c'est la seule chose que je sais faire. Et j'écoute plus Cheb Khaled que les paroles de mon propre père. Des journées entières, j'erre comme un zombie. Le béton me ronge petit à petit. Quand vient la nuit, je me sens plus fort. On me craint comme la mort. Et dans la guerre des étoiles, celui que je kiffe, c'est Dark Vador. Les magouilles sont fertiles dans la ville. Et le business facile se développe tranquille. Inutile de raccourcir ton existence, pas de chance. La balance subit la loi du silence. L'omerta étant sa suprématie. Dans ces ruelles sombres où le silence est un cri. Où l'on côtoie les braqueurs, les dealers. Je suis complice en restant observateur. Leur vie semble toute tracée, je ne peux rien y changer. Qu'est-ce que tu crois, je ne suis qu'une ombre de la cité. Une ombre de la cité. Je ne suis qu'une ombre de la cité. Une ombre de la cité. Je ne suis qu'une ombre de la cité.